Salut tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo DLC, donc biker, donc boulot, bobo. Donc je vais vous montrer un petit peu dans cette vidéo toutes les nouveautés qu'il y a. Je sais que je suis un peu en retard, mais comme je vous ai dit, j'étais pas chez moi cette semaine. Donc voilà, donc les vidéos vont reprendre. Donc on va aller tout de suite voir un petit peu le QG qu'on peut acheter. Donc il y a plusieurs QG qu'on peut acheter, je vais vous montrer un petit peu les sites sur lesquels on peut aller pour acheter nos QG. Il y en a quand même pas mal. Donc là on arrive, on a le garage qui est vraiment très, il est bien, il est simple et tout, il est hyper bien. Là on arrive juste ici, on a une petite salle ordinateur, donc là on peut se coucher. Enfin, là, on peut faire on est tranquille. Là il y a la petite armurerie, je sais pas si vous avez vu. Après ici on a une sorte de petite salle de repos. Bon, tranquille. Ici c'est quoi? C'est pour ah oui, donc là c'est la salle de réu, donc avec le petit logo du crew. Allez hop, on se met à sortir de la salle. Ici on a le bar avec pareil salle de détente, salle de jeu en même temps, et le bar avec pareil le logo du crew. Franchement super bien. Donc je vais vous montrer un petit peu les nouveautés qu'il y a comme véhicule et tout. Donc là, vous arrivez là, publicité sponsorisée, Maze Bank, Forêt Closure. Donc hop, vous accédez au site. Et là, voilà, vous avez tous les QG que vous pouvez acheter. Donc moi, j'ai acheté celui-là. J'ai trouvé que c'était le meilleur un petit peu. Donc voilà, vous pouvez les personnaliser aussi. Donc, je vais voir vite fait, je vais vous montrer un peu. Voilà, rénover. Comment ça, rénover? Ah oui, donc ah oui, c'est pour refaire le style. Donc on peut changer le style aussi, donc c'est pas mal. Donc par exemple, on peut changer la fresque et tout, mais moi je vais pas changer. Après, dans les véhicules, faut aller dans... D'abord dans Legendary Motorsport. Donc il y en a une nouvelle, c'est la... Une sorte de... Donc c'est la Shizu Akutsu Drag. Je l'ai acheté, mais je l'ai pas dans cette vidéo. Je vous la montrerai dans une prochaine vidéo. Après, on a le... Juste ici, alors là, on a... plein de motos. On a la Shizu des filaires, là on a la Nagasaki Chimera, donc c'est celle que j'ai, la Western Zombie Chopper, le Pegasi Faggio Mod, le Pegasi Faggio Sport, la LCC Avarius, Western Nightblade, Western Zombie Bobber, Western Wolf's Bane. Enfin franchement, elles ont un... Là j'adore ce quad. Alors ce quad, je pense que je vais l'acheter, il est vraiment stylé, on peut vraiment faire ce qu'on veut avec. D'ailleurs je pense que je vais l'acheter. Ben non, on va faire ça dans une prochaine vidéo. Donc voilà, on a toutes celles-là comme nouvelles motos. Donc franchement super stylé. Après bon, ben c'est les anciens véhicules des anciens DLC. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Parce que là c'est vraiment que la vidéo présentation. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Et ben rien d'autre. Que ça c'est quoi, c'est les... Ah oui, donc le site toilette, bon, pas important. On va aller dans le garage. On va aller dans le garage. Et dans cette vidéo, on va améliorer cette moto. Accéder au menu, gestion des véhicules. Ah ouais, d'accord. On peut mettre nos véhicules là. D'accord. C'est intéressant, je ne savais pas du tout. Ok. Modifier votre véhicule, et ben voilà, c'est ce que je vais faire. Donc on va modifier le véhicule. Donc on n'est pas obligé d'aller au LS Custom. Là on a carrément un garagiste vraiment privé. Donc ce que je trouve assez cool, c'est regarder la courroie, elle tourne. Je sais pas si vous voyez, normalement oui, vous voyez. Donc voilà, donc le blindage on va pas mettre, les freins on va pas mettre, éléments d'apparence, garde-boue avant. Alors 100, donc garde-boue avant, choper, flèche, fourchue. Ouais, fourchu, il a l'air pas mal. Siège, on voit pas vraiment. Moi je vais mettre en cuir vintage, j'aime bien. Le réservoir d'essence, on va mettre quoi? On va mettre un bon gros réservoir d'essence, on va mettre celui-là. Protection courroie. Ah, donc voilà, c'est ça que je voulais changer parce que je trouvais qu'elle était moche. Ok. Celle-là elle est pas mal. Petit levier simple, sélecteur de série. Ah ouais, stylé. Ah ouais, franchement stylé. Bon, on va mettre un petit crâne ou pas? Je
sais pas quoi mettre, ça c'est quoi ça? Ouais, crâne, chromé. On va mettre le petit levier chromé tranquille. Donc sélecteur de vitesse, ok. Moteur, je verrai ça plus tard. Échappement. Wow. Ah ouais, quand même. Ok, d'accord. Pas mal, ouais. Ah ouais. Eh ben, je vais mettre ceux-là, ils sont pas mal parce que... Ouais, non, je vais mettre ceux-là, ils sont bien. Éclairage. Hop, on va mettre en bleu, en xénon plutôt. Ah oui, alors on avait les motifs, ça c'est tout tout nouveau. Donc voilà, on va changer les... Alors les motifs. On va un peu ce qu'il y a, ouais. Ouh, celui-là il m'a l'air stylé. Franchement, il est pas mal. Je vais voir s'il n'y en a pas d'autres, bien sûr. Ouais, pas mal. Ouais, il faut vraiment qu'il y en ait qui tapent. Oh oui. Oh là là. Franchement, là, ils ont envoyé du lourd pour les customisations. On peut vraiment faire ce qu'on veut à notre sauce. On va mettre un petit peu couleur de la chaîne quand même. On va mettre celui-là au pire. On va mettre celui-là. Plaque. On va mettre celle-là. Peinture. Alors, peinture secondaire. Ouais. Ok. Et en principal. Ouais, d'accord, ok. On va mettre un noir mat. Et en couleur secondaire, on va mettre celui d'Akrou. Ouais. Ouais, non. On va mettre un classique. Et on va mettre un blanc givré. Transmission, non. Et turbo. Ok. Ah, on peut pas personnaliser les pneus, c'est un peu dommage. Et bah ben voilà, il est assez stylé là. Il est super stylé. Et aussi, je vais vous faire un petit peu écouter le son parce que franchement, il est juste énorme le son. Hop, on sort. Je vais vous faire un petit peu vite fait un petit tour tranquille. Ah bah si, on va aller voir pour les nouvelles armes. Parce que je suis toujours pas allé voir donc voilà. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Donc, vue intérieure. Donc, VFPS parce que vue intérieure, bof bof. Donc, franchement, il tourne super bien. Il est très très bien, donc pour faire des stunts, faudrait vraiment essayer parce que franchement. Ah ouais, à lever, il est vraiment pas mal. Il se lève très très bien. Franchement, ça se lève super bien, donc pour faire des stunts, ça va être le kiff. Après, pour les courses casse-cou, j'ai toujours pas du tout essayé. Parce que j'ai pas eu vraiment le temps. Parce que là, on est vendredi. Je dois déjà sortir aussi la vidéo setup. Donc là, de. Il y aura plein de vidéos du DLC qui vont sortir à la suite parce que vraiment faut que je mette un peu le paquet parce que là j'ai qu'une semaine à être chez moi et après je retourne encore au lycée donc laisse tomber quoi, j'ai pas du tout assez de temps pour faire des vidéos après. J'ai très peu de temps donc je profite énormément de mon week-end. Donc voilà. Allez, on y va, on se dépêche un peu. Ah, c'est bon, on arrive. Il freine super bien, même pendant il va très très vite, franchement. Pff, vitesse superbe. Aussi, j'ai essayé les nouvelles tenues, pardon. Et c'est celles-là qui sont le mieux. J'ai trouvé que c'était celles-là. On va aller voir tout de suite les nouvelles. Alors, ça, celle-là, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Donc là, c'est le petit nouveau fusil à pompe compact. Voilà. Donc, on va acheter un peu plus de munitions. Ok, donc déjà on peut pas changer, ok. Là c'est la nouvelle hache que j'attendais depuis un moment. La hache de guerre, elle est pas mal. Après on a le lance-grenade compact, ok, pas mal. Un petit lance-grenade comme ça fait un peu penser au pistolet de pirate. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Ok, et là on a la mitraillette légère. Alors celle-là, elle est super. Donc, chargeur grande capacité, on le met. On va mettre en couleur platine. Et après, bah, on n'a plus que la clé anglaise achetée. Donc voilà, on a toutes les armes. Donc faut savoir que les prochains DLC, vu ce qu'il nous reste en place pour les armes. Et il y a un moment où on va plus avoir beaucoup d'armes, on pourra plus en avoir énormément, à part s'ils enlèvent une partie des vêtements ici, ils décalent.
et ils agrandissent le tableau d'armes, mais ça m'étonnerait parce que franchement, ça ferait du boulot un petit peu pour rien. Je pense que les armes, après, ça va commencer à être. Ils vont commencer à plus vraiment avoir d'idées vu qu'ils ont sorti quand même pas mal d'armes. Je pense qu'il manquerait juste une arme fun qui pourrait avoir sa place, genre un laser, un truc comme ça, un petit peu comme dans le mode zombie sur Call of Duty. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux parler. Il pourrait être pas mal, ça pourrait être assez cool. Enfin, moi je trouve ça pourrait être assez marrant, histoire de faire des trucs comme ça. Ça peut être vraiment sympa. C'est vraiment les armes qui manquent, autrement il n'y a plus vraiment d'armes à rajouter. Franchement, on est rendu à un stade où les armes on en a bien assez pour s'amuser. Donc juste un truc, c'est le laser, je trouve. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo du DLC. Il va y en avoir d'autres parce que voilà, je vais améliorer des véhicules. Je vais acheter les véhicules qui me plaisent, bien sûr, parce que voilà, je vais pas acheter des véhicules que je vais jamais me servir. Enfin, c'est peut-être ce que je vais faire, hein. Je vais peut-être prendre des véhicules que je vais jamais me servir. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.